Madame Obono. Oui, rapidement, Monsieur le Président, et je pense que notamment pour toutes les personnes qui sont assez nombreuses à suivre ces débats et qui ont attendu pendant tellement longtemps, c'est important de rappeler quand même l'incongruité de la situation où on a un groupe LREM qui est majoritaire à l'Assemblée, qui est opposé à l'individualisation de l'AAH, qui est opposé à la position de toutes les associations et qui n'assume pas en fait son opposition. Et c'est vraiment un geste de lâcheté que fait la majorité aujourd'hui par ces manœuvres dilatoires. C'est un rappel au règlement au titre de la clarté de nos débats, au titre du respect de l'Assemblée, au titre du respect que devrait avoir pour elle-même et pour sa mission la ministre, et qu'elle piétine aujourd'hui comme elle piétine les droits des parlementaires. Et je pense que c'est un moment d'humiliation, y compris pour toutes les personnes qui se sont mobilisées depuis des mois, qui ont fait un travail extraordinaire pour que ce texte arrive à l'Assemblée, et que vous voulez traiter de cette manière au-delà de nos personnes qui sont mobilisées pour voter ce texte et qui ne pourront pas voter les amendements qui permettraient d'individualiser et de rendre universelle l'allocation adulte handicapé. Je crois que véritablement, il est important de rappeler à quel point ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez fait toute cette matinée, c'est une insulte aux personnes concernées, c'est une insulte à toutes les personnes en situation de handicap que vous méprisez et pour lesquelles non seulement vous allez empêcher l'individualisation pour les personnes en couple, mais à qui vous dites que leur voix ne compte pas, que leurs droits ne comptent pas. Et je pense et j'espère que tous et toutes, et pas simplement les personnes en situation de handicap, mais tous leurs alliés, toutes leurs familles s'en rappelleront et vous le rappelleront.